de ma gueule, j'espère qu'il y a du café dans la boîte aux lettres. Yes, je suis sauvé. I'm safe. Et enfin, du vrai café Nespresso. Bah, qu'on soit bien d'accord, tous les cafés des autres marques, c'est de la... C'est dégueulasse, et ça vous nique votre machine. Je me retrouve qu'au final, les Nespresso sont la plupart du temps moins chers. Pas très très loin en tout cas, quelques centimes près au café. Donc... Là, ça ferme tout seul. Alors, on est avec Toto qui est en train de refaire un petit branchement d'enceinte. Tu veux du gaffeur? Ouais, du gaffeur. Le gaffeur, c'est la vie. T'es fier de moi? Je suis très fier de vous. Petit SSD pour une autre réparation d'un ordinateur d'un client. Il fallait un micro en plus. On jettera un œil à ça. Petit ordi que j'ai acheté pour ma mère. Un mini ordinateur pour en faire un Media Center. C'est Intel qui fait ça. On va ouvrir ce petit micro. Donc voilà, moi ça se présente simplement avec le petit raïcote là. Le micro, même la bonnette, c'est le Dead Cat. C'est quand même, ça fait son poids quand même. On sent que construction, c'est du métal. Voilà, c'est quand même assez compact hein, par rapport à mon autre micro qui est trois fois plus grand. L'idée c'était plutôt de pouvoir le fixer sur la barre verticale de la gimbale, relier un petit enregistreur numérique pour avoir du coup un son enfin, externe au boîtier. Magnifique, magnifique. Mini ordinateur, ça se prête très bien justement au salon pour pouvoir lire de l'HD, même de la 4K il me semble. Pour l'utilisation avec une imprimante 3D, pour faire un petit poste de domotique, pour faire plein de choses, ça peut être intéressant. Ça tourne sur Windows 10. Voilà, ça c'est le petit cadeau de la fête des mères. J'imprime un couteau suisse carte SD qui ressemble approximativement à ça. Et donc on fait un remplissage à 90% plutôt peut-être en ABS. Une impression in 3D. Ça rappelle pas une vidéo ça non? In 3D. Give me all your money. Be alright, I guess. Bon, du coup, on va laisser Toto démarrer le Bilink BT3, qui est basé sur un Intel Atom X5Z8300. Non, ça se présente sous forme d'une toute petite boîte. C'est donc un mini PC avec sa sortie HDMI, sa prise réseau, sa prise casque, une prise USB 3, une alimentation, deux USB 2.0, un lecteur de carte SD. Et surtout, faire attention, ça c'est pas des lecteurs de cartes SD, c'est des ventilations. La petite plate pour mettre derrière les écrans, son chargeur. Et on a eu la gentillesse de fournir un câble HDMI, un deuxième câble HDMI, mais c'est Noël. Branchons tout ça. Cet appareil fonctionne aussi en Wi-Fi, avec les traditionnelles normes BGN. Tadam ! C'est parti ! Tadam ! Bon, c'est le problème pour l'instant, c'est qu'il y a l'air d'y avoir des choses qui sont pas trop bien traduites. Je pense qu'il va falloir faire les mises à jour pour que ça soit traduit. Pourtant, on est bien en français. Hein. Ah, searching Windows Date. Voilà. C'est les jours. Deuxième chose, Google Chrome. Et voilà. Paramètres, application par défaut, navigateur web, Google Chrome, VLC, cette suki décodeur pack, 7 zip. Tadam! Allez hop! Ciao OneDrive! Yeah.